Welcome to this session of the... Bienvenue à cette séance de mieux vivre avec la maladie rénale. Thank you to Otsuka Canada and Paladin Labs for providing unrestricted financial support for this forum. Nous remercions Otsuka Canada et Laboratoire Paladin d'avoir apporté un soutien financier sans restriction à ce forum. The information presented in this virtual forum is current as of January 25th and 26th, 2022. The material shared in this presentation is not intended to be medical advice. We suggest people speak to their doctor about their own individual situation. This information is intended for a Canadian audience. Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Nous suggérons aux gens de parler à leur médecin de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue à cette session Conseil Corée-Outils pour un régime rénal. Je m'appelle Rosanna Mitchell et je suis l'adjointe exécutive de la Direction générale de l'Atlantique. Au cours de cette séance, nous avons la chance d'avoir un groupe de diététistes compétents qui partageront leurs connaissances sur la façon de lire les étiquettes des aliments, entre autres. Nous entendrons l'expérience de couple, Danny et John Ricker, qui racontera comment le régime et la nutrition ont permis de stabiliser la maladie rénale de Danny. Roxane Papineau est nutritionniste clinicienne en néphrologie à l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec depuis près de 15 ans et siège à de nombreux comités scientifiques et médicaux. Madame Papineau a développé plusieurs outils éducatifs pour les patients. Elle a écrit des livres de recettes pour les gens atteints d'une maladie de rein et du cœur. Roxane partagera sa partie de cette session en français. À moins que vous ne soyez pas francophone, assurez-vous de choisir l'interprétation en anglais lorsqu'elle parlera. Papineau travaille dans l'unité hémodialyse où elle y est depuis 2008. Elle a également travaillé dans le cadre du programme de thérapie à domicile. Papineau travaille également comme coordinatrice des compétences professionnelles en nutrition au Collège de pharmacie et de nutrition de l'Université de Saskatchewan. Notre dernière intervenante, Linda Cerullo, travaille depuis plus de 15 ans avec des patients ayant subi une greffe ou souffrant d'une maladie rénale chronique. Dans le domaine de la greffe rénale, Linda s'est principalement attachée à fournir un soutien et une éducation nutritionnelle pendant la période de rétablissement des patients ayant subi une greffe. Alors, on va passer maintenant pour la présentation de Danny et Joanne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Merci. Alors, j'ai découvert que j'étais atteinte de la maladie rénale il y a quelques ans lorsque j'ai reçu les résultats de mes EGFR était à 21%. Alors, ma condition était décrite en tant que cohérente avec une maladie rénale métabolique. Alors, les médecins ont dit que je devrais faire attention à ma hypertension artérielle. Ensuite, que ma fonction rénale avait descendu par 30%, il fallait que passer à d'autres actions. Alors, nous avons embauché un nutricien et par la suite, on a apporté des modifications importantes à notre régime. Mais là, c'est juste le début. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé notre parcours. Et alors, on croyait qu'on mangeait de manière saine. Alors, j'étais active. Mais il nous manquait des données probantes pour comment pour faire cette prise en charge rénale. Et justement, qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette session aujourd'hui? Alors, on va vous partager les leçons tirées, le sel et oxalate, et d'avoir ou suivre un régime végétalien, et par la suite, de pouvoir justement faire un équilibre de la consommation des nutrients. Alors, je croyais que c'était facile de pouvoir rester entre le 560 mg de sodium. Mais une fois qu'on a assisté à la première groupe de soutien de Danny, on s'est rendu de pouvoir regarder quels étaient les taux de sodium qu'on consommait à l'époque. Alors, on a vu par la suite qu'il y avait beaucoup de sodium dans différents. Il y avait beaucoup de sodium, alors il fallait justement
que j'ai vu que mes plats préférés étaient... J'étais rempli de sodium. Alors, lorsque j'ai continué ma poursuite d'éducation et j'ai appris qu'il y a des gens qui sont sensibles au sel et que justement, que c'est une incidence sur l'hypertension artérielle. Alors, ça, c'était un point clé parce que justement, Denis avait lutté contre une hypertension artérielle. Alors, suite à toutes ces informations, j'ai commencé une campagne pour pouvoir éliminer le sodium de notre régime. C'était tellement important ce changement qu'on a commencé, on a vu justement une chute de sa hypertension artérielle pour revenir à des taux normaux. Suite à une vingtaine d'années de perte de poids et de différents médicaments, j'aimerais bien vous dire que sa hypertension artérielle était normale depuis cette époque, mais ce n'était pas le cas. Mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre et on était capable de pouvoir réduire ces médicaments pour pouvoir revenir à des taux normaux. Et justement, sa hypertension est à normale à 120 sur 80. Alors, ça, c'est génial. Alors, juste pour que tout le monde soit clair, juste de ne pas éliminer le sodium directement de son régime. Juste une petite divulgation ici. Alors, lorsqu'on a commencé son régime, on a parlé avec son médecin et on s'est rendu compte qu'il y avait des taux de potassium très élevés. Alors, ça se peut qu'on avait des ratios de sodium-potassium qui n'étaient pas équilibrés. Alors, notre corps a besoin de certains niveaux, de certains taux de sodium pour pouvoir traiter le potassium qui circule dans notre corps. À l'époque, je n'étais pas au courant. Alors, je savais qu'on avait 500-600 mg sodium de manière quotidienne. Si son potassium est autour des 2000 mg, lorsqu'on a apporté cet ajustement sur ces taux ou ces niveaux de potassium sont revenus à des taux normaux, alors ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de prendre des médicaments pour contrôler cela. Alors, il est possible pour une personne de pouvoir vivre au sein d'une société en suivant ses recommandations. Mais pour pouvoir limiter le sodium à ces taux, il faut, par exemple, arrêter des mets chinois, entre autres. On ne peut pas vivre des plats préparés parce qu'il faut éliminer aussi les restaurants parce que, justement, les restaurants utilisent beaucoup de sodium et de sel. Alors, on voit des fois que quelques entrées dans des restaurants thaïlandais qui sont plus axés sur des légumineuses, entre autres. Alors, on voit justement que, par exemple, que les gens vont atteindre d'une calcul. Alors, la plupart des types de calculs, c'est juste que c'est une formation entre le calcium et l'oxalate. Alors, on le peut trouver justement dans la plupart des animaux, mais notre nutritionniste nous avait indiqué qu'on devrait limiter les aliments qui avaient des hauts taux d'oxalate. Alors, par exemple, il fallait boire de l'eau. J'utilise par exemple de lime ou du jus de citron qui a plus d'acide citrique à l'heure du jour. Maintenant, on peut maintenant parler du régime végétalien. Alors, une personne qui aime cuisiner, qui aime manger, j'étais complètement horrifiée à ce que notre nutrition nous avait proposé. Alors, le fait de ne pas pouvoir consommer des produits laitiers ou de la viande, c'était quelque chose de choquant parce que c'était quelque chose de nutrir. Mais par exemple, tous les produits qui ne sont pas réels, alors manger des choses qui n'étaient pas des vraies, qui ne viennent pas de la nature, qui veut manger ça? Alors, lorsque j'ai commencé à regarder les différents produits végétaliens, etc., parce que justement, ils ont des taux de sodium élevés. Alors, juste autour de les barrières qui existaient autour de notre régime, ça voulait dire qu'il fallait manger des légumineuses, des fruits, des légumes, du tofu, entre autres. Et c'était pas mal la seule chose. Mais 2 ans plus tard, je peux pas dire qu'on aime manger. On se sent pas trop déprivé, mais la plupart du temps, la Fondation nationale aux États-Unis a mis de l'avant les régimes végétaliens pour les patients atteints des maladies rénales. Alors, on peut voir différents grains, légumineuses, différents types de nouilles pour pouvoir rendre les repas de nouilles plus intéressants. Il y a différents légumes qui sont disponibles aussi pour rendre ces repas plus intéressants. Alors, on n'a pas besoin de vivre en train de manger uniquement du riz et des légumineuses. Et ce qu'on a appris, justement, de préparer de la crème glacée qui est basée de noix de coco. Alors, il y a différentes manières de faire ces différents repas. Et par exemple, on peut faire des gâteaux, etc., sans utiliser des œufs.
Alors, si c'est une manière de soutenir votre partenaire, votre famille, c'est aucun problème de pouvoir préparer deux repas, mais je pense que ce serait plus facile pour lui de profiter de ce repas si on mangeait les mêmes repas. Alors, si par exemple, je veux manger des crevettes ou un hamburger, si je veux traiter ça comme quelque chose de unique. Et j'ai différents mets qui sont disponibles dans la maison si j'ai envie de manger. Alors maintenant, j'aimerais céder la parole à Dani maintenant pour parler justement du jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de pouvoir limiter sa consommation de nourriture à une période de 8 heures et de passer au jeûne pour le reste du temps. Alors, lui, suite à avoir lu une étude concernant l'insuffisance rénale, j'ai appris que j'étais capable de pouvoir réduire, de pouvoir contrôler les maladies à travers ce type de jeûne. Alors, j'ai vu justement qu'il y avait une amélioration sur mon indice de masse corporelle. Ça a commencé quand j'étais à 29,6, alors j'étais surpoids. Et maintenant, je me trouve à 21,3. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est un poids normal. Alors, j'arrête de manger à 18 heures pendant la semaine et à 19 heures pendant la fin de semaine. Et je commence à 7 heures le matin, sinon. Alors, j'aimerais parler un petit peu de faire un suivi des nutriments. Alors, pour nos reins, on a besoin de savoir plusieurs choses. Alors, quel type de nutriments on essaye de gérer, alors que ce soit le sodium, le potassium et la quantité nécessaire par jour. Et on a besoin aussi de savoir le nombre de nutriments qu'on trouve dans nos aliments qu'on consomme. Et pour terminer, on devrait savoir la quantité total qu'on est en train de consommer si comparé à la cible. Alors, ça prend du temps de gérer tout ça. Alors, par exemple, j'utilise une appli qui s'appelle Chronomètre, qu'on peut utiliser sur un ordinateur, son téléphone ou sur ton portatil. Alors, elle va me demander à la fin de la journée, qu'est-ce que je peux souper ce soir? Alors, si vous êtes en train d'utiliser cette appli sur votre ordinateur ou si vous utilisez un capet, un stylo, le plus d'informations vous avez, c'est plus facile de faire un suivi et de protéger la santé de vos reins. Alors, on a vraiment examiné la situation de Danny lorsqu'il était atteint de hypertension artérielle. Il avait un surpoids et il y avait un MC de 30 %. Alors maintenant, sa hypertension artérielle est à des taux normaux. Il n'y a pas de surpoids. Alors ça, c'est des petites réussites. Et ça nous aide justement pour faire cette prise en charge de sa maladie. Et à travers le contrôle de son régime, ça nous a apporté une certaine qualité de vie. Et on peut toujours tirer profit de la nourriture ensemble. Roxane, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais parler en français. Je suis nutritionniste spécialisée en néphrologie. Je travaille depuis 16 ans à l'Institut de cardiologie de Québec et je travaille avec une clientèle en prédialyse, donc principalement les stades 4 et 5. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles recommandations en matière de nutrition rénale et vous présenter une approche beaucoup plus simplifiée d'assiette santé rénale basée sur la qualité des aliments. Je vais aussi aborder le nouvel étiquetage nutritionnel au Canada qui vient tout juste d'être rendu obligatoire pour tous les Canadiens. Quoi de neuf au niveau de la nutrition rénale? Les nutritionnistes en néphrologie attendaient depuis de nombreuses années les nouvelles lignes directrices qui dataient de l'an 2000. Donc, en 2020, nous avons reçu les dernières mises à jour. Et grosso modo, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, par rapport aux recommandations sur le sel, le sodium, il n'y a pas eu de changement. On vise toujours un apport quotidien de moins de 2300 mg par jour qui correspond à l'apport maximal tolérable pour tous les Canadiens. Les besoins sont estimés autour de 1200 à 1500 mg de sodium. Par rapport aux protéines, les recommandations ont légèrement changé. Donc, de façon générale, on vise un peu moins de protéines par jour qu'auparavant, mais dans tous les cas, les besoins en protéines sont propres à chaque individu et toujours évalués par la nutritionniste en néphrologie.
Et la grande nouveauté, c'est par rapport au phosphore et au potassium. Donc, il n'y a plus de valeur limite recommandée comme autrefois. Pourquoi cette décision? C'est que les études nous ont montré dans les dernières années que la quantité de potassium et de phosphore dans un aliment ne correspond pas nécessairement à la quantité réellement absorbée dans l'intestin. Donc, de façon générale, le phosphore et le potassium qu'on retrouve dans les végétaux à l'état non transformé, comme les fruits, les légumes frais, les grains entiers, les légumineuses et les noix, contiennent une forme de phosphore et de potassium moins absorbée par le corps, donc influence peu les taux sanguins. On vise maintenant beaucoup plus sur la réduction des aliments transformés, des fameux additifs alimentaires et les protéines d'origine animale. Donc, l'assiette santé rénale est beaucoup plus axée sur la proportion dans l'assiette plutôt que de la quantité réelle. Donc, on permet évidemment toutes sortes de protéines, des protéines végétales, des protéines animales plus limitées. On favorise aussi les grains entiers, alors qu'autrefois, les produits raffinés étaient plus mis de l'avant. Et on met l'emphase sur beaucoup de fruits et de légumes. Donc, vous comprendrez qu'on est vraiment en accord avec le nouveau guide alimentaire canadien qui recommande d'avoir une abondance de végétaux, de protéines végétales et de grains entiers et qui recommande d'ailleurs de limiter les aliments transformés et de lire les étiquettes des aliments. Le nouvel étiquetage. Qu'est-ce qui est intéressant de ce nouvel étiquetage-là? Donc, juste pour préciser, ça fait quelques années que la loi a été adoptée, mais depuis le 31 décembre dernier, les produits doivent avoir le nouvel étiquetage. Donc, le nouvel étiquetage a certains points qui me semblent très intéressants. Premièrement, au niveau de la portion. Donc, vous avez sûrement remarqué que parfois, c'était difficile de comparer les produits entre eux parce que dans un produit, la portion était de 3 craquelins, alors que dans d'autres, la portion était de 12. Ou même chose pour les sauces, les vinaigrettes, le pain. Parfois, c'était écrit pour une tranche, parfois pour 2 tranches. Donc, maintenant, il y a des valeurs de référence. Donc, par exemple, on va toujours pouvoir comparer les vinaigrettes à 2 cuillères à soupe et on va pouvoir toujours comparer les fromages à 30 grammes. Aussi, on a l'ajout du potassium sur le tableau de valeur nutritive. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ma présentation. À la fin, on a une mention 5 % c'est peu, 15 % c'est beaucoup. Ça peut aider les gens avec un simple coup d'œil de savoir si, par exemple, dans l'exemple, on voit 450 mg. Est-ce que c'est beaucoup? Bien, c'est en bas de 15 %. Donc, on ne considère pas que c'est beaucoup. Et finalement, on a maintenant un pourcentage pour le sucre. Et ça nous permet de savoir un peu l'ampleur de la teneur en sucre par rapport aux besoins. D'ailleurs, l'OMS recommande de consommer moins de 50 grammes de sucre ajouté par jour. Donc, ça va vite lorsqu'on se met à regarder les étiquettes. Mais le plus important et intéressant pour le sucre, c'est que maintenant, les compagnies doivent regrouper toutes les sortes de sucre au même endroit, entre parenthèses, et comptabiliser le poids. Donc, autrefois, on pouvait avoir un mélange à gâteau qui avait 3 ou 4 sortes de sucres différents qui apparaissaient à différents endroits dans la liste des ingrédients. Donc, le premier ingrédient était de la farine. Maintenant, comme les sucres sont tous regroupés, donc si le poids des sucres dépasse le poids de la farine, le sucre va arriver en premier. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Pour le sodium, il y a plusieurs pièges lorsqu'on lit les étiquettes. Premièrement, il faut s'assurer que la portion que l'on consomme correspond à la portion qui est indiquée. Parce que si on a tendance à consommer 60 grammes de fromage et que la portion, c'est de 30 grammes, bien, il faut savoir que le sodium consommé va être doublé. Aussi, il faut faire attention au type de sel. Donc, un sel rose, un sel de mer, la fleur de sel, pour le corps, ça reste du sodium. Donc, ce ne sont pas des meilleurs sels et tous les types de sels vont avoir un effet sur la pression artérielle. Et finalement, au niveau des allégations, il y a certains pièges. Donc, ne pas se fier aux allégations teneur réduite en sodium, plus faible en sel, parce que ça ne veut pas dire que ces aliments-là sont faibles en sel. Donc, lorsqu'on veut un bon choix, on va vraiment choisir des produits qui contiennent
moins de 140 mg de sodium par portion, ce qui correspond à une faible teneur en sel. Donc, vous avez un exemple ici pour des bouillons prêts à servir. Si on regarde le bouillon 30 % moins de sel, on réalise que c'est un bouillon qui demeure extrêmement salé. Donc, 630 mg, c'est 2 sachets de sel par portion. Donc, on est bien plus de 15 % de sodium. Alors que la version sans sel ajouté est à 60 mg, soit 3 %, ce qui est en bas du 6 %. Pour ce qui est du potassium, c'est une nouvelle valeur qui est inscrite dans le tableau, mais encore faut-il être capable de bien l'analyser. Pourquoi c'est maintenant obligatoire? C'est parce que plus de 90 % des Canadiens n'en consomment pas suffisamment et on sait maintenant que le potassium a un effet très bénéfique sur la santé, mais également sur la pression artérielle. De façon générale, on recommande d'avoir 2 fois plus de potassium que de sodium dans notre alimentation. Par contre, la teneur qui est indiquée dans le nouveau tableau de valeur nutritive ne tient pas compte du fameux taux d'absorption dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on sait depuis les dernières études que le potassium qui est présent dans les végétaux non transformés, donc les fruits, les légumineuses, les noix, les légumes, est faiblement absorbé dans l'intestin dû à plusieurs raisons et a moins d'impact sur le taux de potassium dans le sang. Donc, si on voit, par exemple, 300 mg de potassium dans un fruit frais non transformé, bien, finalement, c'est seulement 150 mg qui serait vraiment absorbé. Donc, on n'aura pas cette valeur-là dans le tableau. Aussi, le potassium dans les végétaux qui sont transformés. Donc, si mon fruit est transformé en jus, si ma tomate est transformée en sauce, là, le potassium devient beaucoup plus absorbé par le corps. Et c'est la même chose pour les protéines animales qui contiennent un type de potassium qui est différent et qui est beaucoup plus absorbé. Et on a les fameux additifs de potassium. Donc, eux, ils sont absorbés à 100 % et peuvent faire grimper rapidement le taux de potassium sanguin. Et on n'en a pas assez parlé dans les dernières années. On les retrouve dans plusieurs produits comme des charcuteries, mais aussi les fameux aliments réduits en sel qui peuvent contenir des additifs comme le chlorure de potassium. Donc, c'est difficile de comparer des aliments en regardant seulement la teneur en potassium. C'est vraiment important d'aller lire la liste des ingrédients. Je vous ai mis des exemples. À gauche, on a une boîte de légumineuses. On retrouve 300 mg de potassium. On sait qu'il va être très peu absorbé. C'est un produit qui contient également plusieurs, une bonne source de fibres. Et à droite, on a un jambon qui contient un additif de potassium, de lactate de potassium. Donc, lui a 350 mg de potassium qui va être vraiment bien absorbé par le corps. Je vous montre un autre exemple de produit très, très populaire consommé pour les repas vite fait. Autrefois, on n'avait pas la teneur en potassium sur l'emballage, mais depuis le nouvel étiquetage, on a vu apparaître l'impact de l'additif de potassium dans un produit comme ça. Et vous voyez que c'est ce genre de produit-là qui peut causer des augmentations de potassium dans le sang avec une teneur très, très élevée de potassium. Pour ce qui est du phosphore, vous savez, le phosphore n'est pas obligatoire dans le tableau de valeur nutritive. Par contre, les additifs alimentaires à base de phosphore doivent être inscrits. Donc, si on voit les mots phosphate, phosphite ou phosphorique, ce sont des produits contenant des additifs et on sait que les additifs sont très, très absorbés. Donc, on doit les limiter. Contrairement au phosphore dans nos végétaux, les fruits, les légumes, les légumineuses, qui est très peu absorbé. On parle d'autour de 30 % d'absorption pour les noix, les légumineuses et les grains entiers. Les additifs de phosphore, malheureusement, on peut les retrouver partout, que ce soit dans certaines céréales à déjeuner, certaines boissons, des repas surgelés, des fromages transformés. Donc, il faut vraiment apprendre à lire les étiquettes et à rechercher les mots phosphate, phosphite, phosphorique. Et je termine là-dessus, la fameuse liste des ingrédients. Donc, oui, le tableau de valeur nutritive nous donne beaucoup d'informations pour savoir si, au premier regard, l'aliment est trop salé ou trop sucré ou s'il contient suffisamment de fibres.
Par contre, il faut toujours regarder la liste des ingrédients qui va nous donner l'information sur la qualité du produit. Est-ce que la liste de l'ingrédient est très longue? Est-ce qu'il y a beaucoup d'additifs? Donc, il faut toujours rechercher des listes d'ingrédients qui sont simples, courtes, mais aussi avec des ingrédients naturels et connus. Donc, des ingrédients qu'on pourrait avoir soi-même dans notre garde-manger. Je vais être heureuse de prendre vos questions tout à l'heure. Et pour les patients francophones, sachez que mon tout dernier livre, Santé rénale, est disponible depuis 2021 en librairie. Je te passe la parole. Papi, you can go ahead and start. Papi, tu peux y aller? Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement bien. Donc, je suis ici pour vous parler un peu de la dialyse et de la nutrition. Je travaille à Saskatoon, Saskatchewan, centre de dialyse. Donc, on va regarder un peu l'aperçu, pourquoi nous devons suivre un régime spécial quand nous sommes en dialyse, les modalités de dialyse, afin que vous compreniez ce que vous pouvez faire de façon différente selon la dialyse. On va regarder les composantes d'un régime alimentaire, protéines, sodium, potassium, phosphore, liquide, énergie, calories. Donc, la nutrition a un rôle important à jouer dans le plan de traitement quand vous êtes sous dialyse. Votre équipe surveillera les analyses sanguines et prendra les décisions en fonction des résultats. Votre diététicien vous aidera à modifier votre régime alimentaire si nécessaire. Et la nutrition est très individualisée en fonction des analyses sanguines, des finances et de certains aspects culturel. Donc, pour que nous regardions un peu les modalités de dialyse, il y a différentes restrictions qui peuvent être nécessaires en hémodialyse. La dialyse péritonéale, les restrictions sont moindres, mais certaines peuvent être nécessaires et l'hémodialyse à domicile, généralement, il n'y a pas de restrictions nécessaires. La première chose que nous allons regarder, ce sont les protéines. Bien, les besoins en protéines augmentent dans le cas de dialyse. Je vous donne des exemples de certaines sources de protéines, les viandes rouges, le gibier sauvage, la volaille, les poissons, fruits de mer, lait, fromage, tofu, légumineuses et haricots. Alors, il y a certains choix qui peuvent être végétaliens. Et il est important de manger la bonne quantité pour développer les muscles, réparer certains tissus corporels, combattre les infections et aider à la cicatrisation, ainsi qu'empêcher les déchets de s'accumuler dans le sang. Le sodium est important pour l'équilibre hydrique de l'organisme. On veut limiter la consommation à une cuillère, c'est-à-dire une cuillerée de sel par jour, 2300 mg ou moins. Et limiter le sodium aide à réduire l'accumulation de liquide, gonflement, édème, à contrôler la tension artérielle et maintenir les limites dans la normale, vous l'avez vu. L'étiquetage peut vous aider à y parvenir, comme Roxane vous l'a démontré. Le potassium contribue au bon fonctionnement du cœur et des muscles. Il doit généralement être restreint, mais ça dépendra du fonctionnement de vos reins, de certains types de médicaments que vous pouvez prendre. Et la taille des portions est vraiment très importante dans le cas du potassium. Donc, il faut se rappeler qu'une grosse portion d'un aliment à faible teneur en potassium peut vous générer pas mal de potassium. Et il y a des allergies également au potassium. Les aliments contenant du potassium, on retrouve certains fruits et légumes, le lait, le yogourt, les haricots, les pois secs, les substituts de sel, les demi-sels, les sans-sel. Ils vont enlever le sodium et mettre du potassium. Le chocolat, les noix, les graines, les lentilles et les légumineuses. Ensuite, on a le phosphore, les phosphates. Je retrouve dans les produits laitiers,
les haricots, les poissettes, les noix, les graines, les céréales riches en fibres. Les sources ajoutées, bien, ce sont les boissons gazeuses, les mélanges à pâtisserie, les viandes transformées et marinées. Et il faut regarder quand on voit phosphate, acide phosphorique, phosphite, ce sont tous des aliments contenant du phosphore. En nutrition, on parle souvent des liens du phosphore. Alors, il y a des médicaments qui lient le phosphore, qui aident à réduire le taux de phosphore dans l'organisme. Il est très important de les prendre avant le repas pour contrôler le taux sanguin et à maintenir un certain contrôle. Il faut également se rappeler d'apporter ces liens, ces médicaments liés avec vous et de penser à les prendre lorsque vous mangez à l'extérieur et que vous êtes en traitement. Les liquides, c'est quelque chose qu'il faut peut-être surveiller quand vous êtes en dialyse, si vous produisez très peu ou pas d'urine. Les médicaments, les liquides que vous prenez, les aliments que vous mangez resteront dans votre corps. La consommation est généralement limitée à 4 à 6 tasses par jour ou 1 à 1500 millilitres. Ça dépend encore une fois de votre parcours personnel. Généralement, les liquides se retrouvent dans les boissons, la glace, la crème glacée, le jello et les soupes. L'énergie et les calories sont également très importants. Souvent, les patients sous dialyse peuvent avoir des problèmes à ce niveau. Donc, il faut s'assurer de consommer suffisamment de calories pour avoir de l'énergie, mais il faut s'assurer également d'avoir de l'énergie qui provient des aliments que nous consommons et non pas de l'énergie provenant des calories emmagasinées. Et vous s'assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour être en mesure de faire nos activités, pour empêcher le corps d'épuiser les protéines, pour obtenir de l'énergie. Certains points importants ici, c'est de s'assurer que vous prenez suffisamment de calories. Il faut manger quelque chose sur les 4 à 6 heures et surveiller la quantité de ce qu'on mange en contrôlant les portions. Donc, en résumé, chaque repas doit comprendre des aliments protéinés, des féculents, des fruits et des légumes. Il faut limiter le sodium, les liquides, les aliments riches en potassium et en phosphore. Et, le régime d'une personne doit varier en fonction des résultats de ses analyses sanguines et peut changer au fil du temps. Donc, assurez-vous de travailler avec votre diététicienne pour déterminer ce qui vous convient le mieux et consultez également les ressources nutritionnelles de la Fondation du Rhin. Il n'y a pas de régime miracle qui convienne à tout le monde. Donc, surveillez toujours, comme je le disais, les ressources de la Fondation du Rhin qui offre des recettes et différentes possibilités nutritionnelles. Merci. Merci, Poppy. Linda. Alors, OK, je partage mon écran maintenant. Alors, bonjour tout le monde, je suis Linda Cerullo, je suis diététicienne à Toronto. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation et des greffes rénales. Ah bon, désolée. Alors, je vous donne ici un aperçu de ma présentation. Nous allons discuter de la nutrition pour les patients ayant été greffés. On va parler des recommandations suite à la greffe à court terme, à long terme, la sécurité alimentaire et les produits de santé naturelle. Donc, pourquoi est-ce que la nutrition est si importante lorsqu'on se prépare à une greffe du rein? Ou quelqu'un que vous connaissez, un parent, se prépare à une greffe rénale. Il y a des nutriments, le sodium, les protéines, les calories, les liquides, le potassium et le phosphore qui sont importants, qui sont favorables à vos reins et qui vont vous aider à rester en excellente santé pour votre greffe.
en restant aussi en santé que possible, vous allez aider vos reins être en bon état et votre diététicienne rénale va vous aider à décider quel régime est le meilleur pour vous avant une greffe. Mais l'une des questions qu'on pose souvent est, alors comment mon alimentation va-t-elle changer après cette greffe rénale? Il y a des objectifs à court terme et à long terme sur lesquels on se concentre. À court terme, on parle entre 6 et 8 semaines suite à la greffe. Et l'objectif à ce moment-là est d'assurer la guérison. Donc, quand on veut se remettre sur pied après une chirurgie, nous voulons augmenter les protéines et nous savons que les besoins énergétiques augmentent également. Donc, ce sera fait en augmentant la prise de protéines chaque jour avec les produits laitiers, du poulet, du bœuf et d'autres. Et augmenter avec les protéines la guérison et éviter de perdre de la masse musculaire. Ensuite, on veut aider les patients à avoir moins de restrictions alimentaires. Alors, selon les patients, on pourra commencer à réintroduire du potassium, du phosphore, des bananes, des oranges, des tomates qui pourront être consommées à nouveau. Et aussi, généralement, il y a souvent une chute importante du phosphore après la greffe. Donc, il faut souvent avoir besoin de suppléments de phosphate après la greffe. Donc, on va essayer d'ajouter des produits laitiers qui sont plus élevés en phosphore, qui va aider à augmenter votre prise de phosphore sans avoir besoin de médicaments liants. Et un autre avantage de cette alimentation, c'est que ça va augmenter la prise de liquide. Beaucoup d'entre vous avaient eu des restrictions pendant longtemps. Plusieurs patients ont dû revenir à l'hôpital parce qu'ils étaient déshydratés. Votre nouveau rein veut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquide. Mais il faut que votre nutritionniste puisse travailler avec vous pour trouver le bon montant de liquide, la bonne quantité de liquide à ingérer. Donc, lorsque vous avez fini la chirurgie, il faut maintenir le rein en meilleure santé possible. Donc, après 8 semaines, suite à la greffe, on va modifier l'alimentation pour faire en sorte que vous soyez plus en santé, que votre nouveau rein soit également en santé et gérer les effets potentiels, les effets secondaires potentiels. Alors, pour garder votre rein en meilleure santé possible, vous devez limiter la prise de sodium. Roxane en a très bien parlé. En fait, ça a l'air facile pour les patients. Plusieurs patients m'ont dit que c'était probablement ce qui était le plus facile à faire pour eux parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient sur une alimentation restreinte en sodium que même s'ils en mettent très peu, ils trouvent que c'est très, très salé. Alors, les patients sont très prêts à continuer avec cette recommandation de limite de sodium suite à leur greffe. La seule unique raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'il faut gérer la tension artérielle. Une tension artérielle trop élevée peut nuire aux reins. Alors, gardez encore une fois une cuillère à thé de sel par jour. C'est la recommandation générale qui est faite pour les gens avec ou sans problème rénaux. Et la plupart du sodium dans nos alimentations proviennent des aliments transformés, pré-emballés, les charcuteries, les sauces, les soupes, les gâteries, les grignotines. Alors, il faut regarder les étiquettes et en arriver à être capable d'utiliser des alternatives au sel comme le citron, les fines herbes. Ce sont des options qui sont intéressantes pour aider à diminuer la prise de sodium et il y a beaucoup de celles qui sont cachées un peu partout. Donc, il faut garder la prise de sodium aussi bas que possible.
Autre point qui nous aide à garder l'arrêt en santé, c'est d'éliminer... d'un côté, on vous a demandé d'augmenter les protéines pour guérir le plus vite possible, mais après 8 semaines, on recommande de diminuer la prise de protéines. Et nous avons que nous pouvons suivre à ce moment-là les lignes directrices de Santé Canada. Alors, voici le modèle d'assiette pour vivre en santé, recommandé par Santé Canada. Alors, on met beaucoup l'accent sur les fruits et légumes plus souvent, la moitié de l'assiette, choisir des grains entiers et de limiter la prise de viande et essayer de limiter les gras également, les sucres ajoutés dans la mesure du possible. Et bien sûr, l'eau devient le breuvage de choix. Et comme les reins veulent qu'on mange davantage, il faut également augmenter la prise d'eau. Que ce soit dans le cas de maladies rénales, de cholestérol élevé, de diabète, etc., vous devez essayer de maintenir de toute façon une bonne santé. Un autre régime qui est très populaire pour les patients greffés, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Les gens ont commencé, il y a 5-6 ans, à utiliser davantage ce régime ou cette alimentation. C'est très près de ce que recommande Santé Canada. Alors, on mange beaucoup plus de fruits, de légumes, de grains entiers, d'huile d'olive. On mange davantage de poissons. Et on limite la viande et les produits sucrés. Et on parle également d'alcool en modération pour les patients qui consomment de l'alcool, et c'est une question qu'on me pose souvent après une greffe. Après les 8 semaines, 8 semaines parce qu'on veut permettre aux reins de s'adapter à ces nouveaux médicaments et s'adapter au nouveau corps et tout, et à guérir. Mais après, l'alcool en modération est possible. Bon, avec votre nouveau rein, vous aurez de nouveaux médicaments qui seront nécessaires pour déprimer votre système immunitaire et empêcher les rejets. Malheureusement, il y a beaucoup d'effets secondaires, prise de poids non prévue, tension artérielle plus élevée. Il y a certains patients qui prennent de la prednisone suite à une greffe qui augmente l'appétit, mais qui a un impact sur le taux de sucre sanguin. Alors, il faut changer l'alimentation quelque peu. Sinon, vous pouvez avoir d'autres problèmes. Et il est donc important de surveiller certains des paramètres et de s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée. Autre risque avec les immunosuppresseurs, lorsque les gens sont immunodéprimés, il est possible que vous puissiez souffrir de maladies alimentaires. Il y a peut-être des aliments que vous mangez avant que vous ne tolérez plus. Alors, ce qu'il faut éviter, les poissons, les viandes, les œufs qui ne sont pas suffisamment cuits, les aliments non pasteurisés. Il faudra que vous gardiez vos aliments de la façon appropriée, au frigo, au congélateur, et d'éviter les aliments périssables à température de la pièce pour plus de 2 heures. Et éviter toute
contamination croisée en gardant, bien sûr, une hygiène irréprochable. Les produits de santé naturelle, c'est très populaire pour les greffés du rein. Les gens veulent soudainement prendre des suppléments alimentaires. Ils n'en avaient jamais pris auparavant, mais ils ont peut-être entendu quelqu'un dire qu'ils en avaient pris et que ça avait aidé leur fonction rénale. Nous recommandons de ne pas commencer à prendre ces produits parce qu'ils peuvent interagir avec certains médicaments. Parlez-en à votre équipe de transplantation et vous pourrez voir si ces produits peuvent être bénéfiques ou plus nuisibles qu'autre chose. Alors, vous éviterez ainsi tout risque d'interaction et aucune modification ne sera apportée à votre médication également. Donc, il faut en parler à votre équipe de transplantation. En résumé, je vous dirais que l'alimentation joue un rôle clé à toutes les étapes de la maladie rénale. Après la phase de guérison, il faut cibler une alimentation équilibrée pour garder votre nouveau rein en santé et réduire les risques de maladies chroniques. Il y a deux régimes particuliers, c'est-à-dire la diète idéale recommandée par Santé Canada, des légumes, des fruits, des légumineuses, des aliments haute teneur en fibres et se concentrer sur des protéines maigres, et limiter les excès de sel, de gras saturé, de sucre ajouté, et il faut bien sûr faire attention à l'inocuité alimentaire et aux suppléments nutritifs. Alors, ceci vous permettra d'être en santé autant que possible et d'augmenter la longévité de votre nouveau rein. Parlez à votre diététicienne, si vous avez des questions en ce sens. Sur ce, Rosanna, je vous redonne le micro. Merci à tous d'avoir partagé ces informations. Cela peut être un défi à gérer cette alimentation au fil de la progression de la maladie. Si vous avez des questions pour les présentateurs, vous pouvez les écrire dans le volet Q et R en bas de votre écran Zoom. Appelez-vous, n'utilisez pas la conversation ou le clavardage, car nous sommes en mesure de mieux gérer les questions lorsqu'elles sont soumises dans le QR. Vous pouvez les soumettre en anglais ou en français. Et rappelez-vous qu'on n'est pas en mesure de vous donner des conseils médicaux. Alors, on a déjà des questions. C'est peut-être pour vous, Roxane. Lorsqu'on regarde les étiquettes, lorsqu'on retrouve les pourcentages de la valeur quotidienne, sur quoi est basée cette valeur quotidienne? J'aimerais vous dire que ça représente les besoins quotidiens, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, la valeur quotidienne pour le sodium est de 2300 mg, ce qui correspond à l'apport maximal tolérable. Donc, autrement dit, on ne veut pas se rendre à 100%. Par exemple, pour le sucre, la valeur quotidienne est établie à 100 grammes. Par contre, l'OMS recommande d'être en bas de 50 grammes. Donc, encore là, on ne veut pas nécessairement se rendre à 100. Pour le potassium, la valeur quotidienne est à 4700 mg par jour, qui représente la part recommandée pour les Canadiens. Et pour le phosphore, curieusement, ils ont mis la valeur quotidienne à 1250 mg, alors que les besoins quotidiens sont à 700 mg. Donc, autrement dit, c'est une indication, mais ce n'est pas nécessairement un pourcentage qu'on veut atteindre. Donc, c'est important de bien connaître nos cibles, notre personnel. Thank you so much. And merci beaucoup. Maintenant, nous avons une question pour Danny and John. Lorsque vous avez changé votre alimentation et avez commencé le jeûne, est-ce que vous pouvez nous parler des changements émotifs qui ont été ressentis avec ce changement drastique? Moi, je n'en ai pas vu. Moi, j'avais peut-être un peu faim au début,
À part ça, aucun changement émotif. Merveilleux, merci. Est-ce que l'eau pétillante est considérée exactement comme l'eau régulière, l'eau plate? Il y a plusieurs types d'eau pétillante. On peut avoir de l'eau pétillante que c'est seulement de l'eau avec du gaz carbonique, alors que d'autres eaux vont avoir beaucoup de minéraux. Certaines peuvent être très bonnes pour les reins, des eaux riches en bicarbonate, par exemple, qui vont traiter l'acidose métabolique, mais certaines peuvent être aussi très salées. Et d'autres eaux aromatisées peuvent contenir des additifs, incluant des additifs de potassium et de phosphore. Donc, il faut vraiment vérifier la composition de l'eau pétillante en soi. Thank you so much. Merci beaucoup. Il nous reste du temps pour une question rapide. Il y a beaucoup de substituts de lait d'avoine, sans lactose. Est-ce que c'est mieux que les produits laitiers normaux pour réduire le potassium et le phosphore? Pour le moment, les laits d'amande, oatmeal, certains contiennent des additifs de phosphore. Donc, il faut être très vigilant. Des compagnies utilisent le phosphate tricalcique dans les boissons végétales. Donc, oui, s'il ne contient pas de phosphore et s'il est supplémenté en vitamine D et en B12 comme le lait, ça peut être un très bon substitut, mais il faut être vigilant et lire la liste des ingrédients. Thank you. So merci. Donc, on arrive à la fin de notre session. Donc, je voudrais remercier Dani, John, Roxanne Poppy et Roxanne pour avoir partagé cette information.